Bienvenue Mohamed Saïd Sadi. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir tout fait, je dis bien tout fait aussi, pour vous rendre disponible aujourd'hui, ce soir pour cette émission de débat, l'info en face, Matin TV, qui a pour thème droit des femmes et des hommes, quelle révision équitable possible. Avant de vous laisser répondre à cette interrogation de cette émission, je vous présente Mohamed Saïd Sadi, même si beaucoup vous connaissent, mais je tiens, quoi qu'il en soit, à faire les présentations. Je rappelle, économiste politique, Mohamed Saïd Sadi, et ancien secrétaire d'État en charge de la protection sociale, de la famille et de l'enfance. Certains vont jusqu'à vous présenter comme l'incarnation vivante de la lutte des droits des femmes. Donc, personne ultra légitime pour s'exprimer sur un sujet aujourd'hui qui est plus que d'actualité, sur cette refonte, ou plutôt révision de la Moudawana. Donc, pour vous, par rapport à la question qui est posée, Mohamed Saïd Sadi, droits des femmes et des hommes, quelle révision équitable possible, selon vous? Merci d'abord de votre confiance et de la présentation élogieuse que vous avez faite de ma modeste personne. Mais je trouve que la problématique que vous posez est fondamentale pour le développement du pays. Parce qu'on parle de l'avenir et de la situation de plus de la moitié de la population marocaine. Et on ne peut pas avancer vers le progrès et la modernité, le développement humain, si cette partie de la population voit ses droits bafoués tous les jours, malgré tous les acquis qu'on a engrangés depuis pratiquement deux décennies. Donc vous parlez du nombre de femmes, parce que les femmes sont majoritaires dans notre pays. Je crois qu'on est sur un ratio de 51-49. Et vous dites, si ces femmes-là, en fait, ne sont pas intégrées, il ne peut pas y avoir de palier de développement franchi par notre pays. C'est ça que vous avez... Elles se sont intégrées. Oui. On sent qu'elles sont de plus en plus présentes, qu'elles prennent conscience de l'importance de leurs droits, de leur place au sein de la société, de la famille, de leur apport à la société, de leur apport à la cellule de base qui est la famille. Mais en même temps, elles voient que beaucoup de leurs droits sont bafoués parce qu'il y a une inégalité à la fois sociale, politique, juridique, culturelle, qui fait qu'elles sont en situation d'infériorité par rapport à l'homme. Elles ne sont pas l'adversaire de l'homme. Pas l'adversaire de l'homme, mais quand vous dites... En fait, certains diraient qu'on a besoin aussi des hommes pour développer le pays. On a besoin aussi des hommes pour franchir un nouveau palier de développement. Donc est-ce que certains pourraient y voir une opposition entre les femmes et les hommes? On a besoin de nouveaux hommes. De nouveaux hommes, c'est-à-dire absolument. Des hommes plus éclairés. Plus éclairés, qui croient à l'égalité, qui croient que la société ne peut pas avancer si les deux piliers fondamentaux de la famille et de la société de manière générale, que sont l'homme et la femme, ne travaillent pas de concert et n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas le même degré de citoyenneté. Parce que ce qui est important dans la Constitution de 2011, c'est qu'elle garantit l'effectivité, elle engage l'État à garantir l'effectivité de l'égalité et de la citoyenneté pour l'homme et pour la femme. Donc la consécration en matière d'égalité, non pas d'équité, parce qu'on est bien d'accord là-dessus. On parle consécration d'égalité homme-femme. En matière de droit. Et de devoir. Bien sûr, et de devoir, ça va sans dire. Donc est-ce que le véritable enjeu aujourd'hui, Mohamed Saïd Sadi, c'est de redistribuer en fait et de rééquilibrer, donc redistribution et rééquilibrage des droits? C'est ça en fait le véritable enjeu aujourd'hui? C'est une question de plus de droits, c'est une question de pouvoir. De pouvoir. Absolument. Il s'agit d'émanciper au sens, les Anglais disent « to empower », donner du pouvoir. Permettre, non pas donner, parce que ça, j'aime pas le verbe donner. Et puis ça peut faire peur auprès de certains hommes. Les femmes doivent s'arracher les droits. Mm. Elles sont en train de le faire, malgré toutes les résistances, toutes les normes sociales discriminatoires. Il y en a beaucoup, et pas seulement au Maroc, mm-hmm. même au niveau mondial. Je fais référence ici à une étude récente du CNUD, oui. du Programme des Nations Unies pour le Développement, sur l'indice d'inégalité des genres basé sur les normes sociales. Par exemple, on trouve dans cette étude récente que 25% des personnes interrogées considèrent qu'il est normal
que l'homme batte la femme. 25%, et ça, y compris dans les pays développés, parce que le sondage, c'est... Au niveau mondial. C'est des préjugés qui sont enracinés dans la société. Et donc, c'est des normes sociales qu'il faudrait... dont il faudrait se débarrasser à travers les lois, à travers les politiques publiques, à travers l'engagement citoyen des hommes et des femmes qui croient en l'égalité. Est-ce que ça peut se faire? Qui croient en les droits universels. Parce que ça, c'est fondamental. Mais ça veut dire Mohamed Saïd, ça veut dire qu'il faut changer totalement de logiciel idéologique au niveau de la société, on est bien d'accord. Parce que là, on est sur un paradigme idéologique qui est différent de celui qui est dominant aujourd'hui. Est-ce que ça peut se faire par la puissance du droit, par la puissance publique, par le fait de passer en fait par le cadre juridique? Parce qu'on est sur les changements de mentalité, non, où on veut faire changer de paradigme idéologique une majorité de Marocaines et de Marocains, on est bien d'accord? Non, je ne sais pas, quand on parle d'idéologie, on parle de référentiel. Oui, d'accord. De référentiel idéologique. Et puis, le référentiel, donc c'est les normes, la culture prégnante dans la société. Bien sûr, il y a la religion. Il y a... La religion, justement, sur ce fait religieux, parce que vous êtes un intellectuel aussi complètement décomplexé, on a l'impression que ça, c'est crispant. Non, beaucoup quand on aborde ce sujet-là, en 2004, c'était un sujet qui avait été évacué par rapport à l'héritage, parce que c'était un sujet un peu compliqué. On a l'impression qu'en fait, voilà, aujourd'hui, dans l'esprit, alors je ne sais pas si c'est une majorité écrasante ou relative, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de data précise là-dessus, il n'y a pas de sondage d'opinion, mais beaucoup associent cette réforme de la Moudawana à une révision, non pas du code de la famille, mais une révision du référentiel religieux. Et c'est ça qui bloque certains appareils en matière de neurones et qui crée comme ça beaucoup de crispations. Il y a beaucoup de crispations qui sont de la conséquence directe ou indirecte d'ailleurs de cette confusion ou en tout cas interprétation qui se fait au niveau des esprits. Vous savez, il y a une loi dans la vie qui est la loi de l'évolution. Et les religions ont évolué. Pas seulement la religion musulmane, même la religion chrétienne. Est-ce qu'on accepte aujourd'hui le mariage catholique? Non. Est-ce qu'on accepte la polygamie dans la religion hébraïque, mosaïque? Non, la polygamie a été interdite. Est-ce qu'on interdit le prêt à intérêt au Maroc? Non. Alors que c'est dit dans le texte coranique, est-ce qu'on ampute le poing du voleur? Est-ce qu'on applique la lapidation en cas d'adultère? Non. Est-ce que l'esclavage est toujours en cours? Non. Pourtant, il y a des textes dans la religion musulmane qui disent que, en fait, c'est des choses qui peuvent être acceptées. Aujourd'hui, on les accepte plus. Et donc, l'islam est évolutif. Donc, est-ce que il y a des penseurs, des penseurs réformistes, musulmans, qui ont fait l'effort de jihad pour montrer, par exemple, que la polygamie peut être interdite. Je fais référence à Al-Fassi lui-même, qui avait écrit le Naqdati, donc l'autocritique, où il disait qu'on pouvait effectivement interdire la polygamie parce qu'il y avait une injustice et une atteinte à la dignité de la femme. Quand on l'applique. Et moi qui ai vécu dans un contexte familial de bigamie, je peux vous dire que ça fait beaucoup de souffrance pour la maman. Vous avez une expérience de vie personnelle là-dessus? Absolument. La polygamie. Avec toutes les dissensions, les chamailleries à n'en plus finir, et les batailles tous les jours entre les... Est-ce que l'enjeu de la réforme, Mohamed Saïd, c'est intéressant, vous dites ça, parce qu'en fait, il y a ces religions, vous avez dit cette logique évolutive de toutes les religions, en tout cas toutes les religions monothéistes, on est bien d'accord? Mais d'un autre côté, on a des comportements sociaux, donc puis avec des fonctionnements, il y a une interprétation sociale qui se veut être un peu la traduction, en tout cas, de ce que chacun lit à sa manière, en tout cas, ou interprète en même temps, ce qui est inscrit noir sur blanc au niveau du sacré.
Est-ce que le débat, c'est sur le sacré? Ou est-ce que le débat est l'interprétation? Ou est-ce que le débat, en fait, il est sur l'homme avec un grand H dans ses comportements, dans les comportements sociaux, et que c'est ça qu'il faut rééquilibrer, en fait? Le débat, le vrai débat, doit porter sur l'adéquation de nos valeurs et de notre référentiel par rapport au droit universel. Et je trouve qu'il n'y a pas d'antinomie. Si on fait l'effort, effectivement, de relire les textes avec les yeux du 21e siècle, ce qu'avait fait Tahar Haddad en Tunisie dans les années 20 du siècle dernier, le Mohamed Abdo, Mahmoud Mohamed Taha au Soudan, Ahmed Khamlichi chez nous, qui nous a beaucoup aidé dans la conception et la défense de nos propositions pour changer le code du statut personnel en 1998-99. Il avait rédigé un contre-argumentaire très très bien fait par rapport à ce qu'avait présenté le ministre de l'époque qui s'occupait des affaires islamiques. Donc vous dites que c'est possible, mais ça veut dire que ça repose essentiellement sur le courage intellectuel d'un politique. On est bien d'accord? Absolument. Intellectuel et d'un politique, de penseur avec le politique qui prend le relais aussi pour porter. On ne peut pas oublier Abdelhadi Boutaleb, qui nous a accompagnés dans cette réforme qu'on avait initiée à la fin des années 90. À la fin des années 90, parce que c'était vous qui étiez le porteur. C'est pour ça que quand je vous ai présenté, c'était pas la motivation, c'était pas d'être élogieux quand j'ai présenté Mohamed Saïd Saadi, mais c'est dire voilà, vous incarnez celui qui et en plus c'est un homme. Celui qui a toujours été en première ligne pour la défense des droits des femmes. La trahison politique, vous l'avez vécue personnellement, lorsque vous étiez aux responsabilités politiques. Je ne veux pas en parler. Vous ne voulez pas en parler, mais moi j'emploie le terme de trahison que vous ne contestez pas. Trahison politique. Vous avez été trahi politiquement à cette époque-là. Disons que je n'ai pas été suffisamment soutenu. Oui, mais vous avez pris quelques petits coups dans le dos. En même temps. Valeur aujourd'hui, on se dit, voilà, qui va porter politiquement? Parce que je rappelle que lorsqu'au début des années 2000, parce que vous faites partie de ceux qui ont tracé un petit peu l'horizon, voire balisé un peu le terrain de la réforme 2004, et la commission qui avait été mise en place en 2003, et là, c'était, vous apparteniez à un gouvernement, Abdelrahman Youssefi, c'était un gouvernement d'alternance, et vous étiez aux responsabilités, vous avez fait tout un travail de fond, vous êtes entouré d'un certain nombre d'intellectuels, et je crois qu'il y avait des différents départements ministériels aussi, où il y a une convergence, pour travailler sur le sujet. Ensuite, vous avez été démis de vos fonctions, je crois que c'était en septembre 2000, si ma mémoire est bonne. En septembre 2000. Septembre 2000, voilà. Donc ma mémoire, parce que des fois j'ai la mémoire qui faillit. Il y a un quart de siècle. Voilà, il y a un quart de siècle. Mais en même temps, à cette époque-là, c'était porté politiquement. Aujourd'hui, c'est une lettre royale qui a été adressée fin septembre au chef de gouvernement pour actionner ce projet de révision du code de la Mounawana. Donc je me dis, voilà, est-ce que politiquement, quand il y a eu ce portage politique, ça n'a pas fonctionné au début des années 2000? Là, c'est une lettre royale qui demande, en tout cas, et qui a demandé expressément qu'il y ait un travail qui soit fait pour réviser la Mounawana. Est-ce que ça diffère? On peut faire la comparaison. C'est intéressant de voir que le processus politique, parce que c'est ça. C'était ça le processus politique? Processus politique. Mais là ce n'est pas un processus politique. Si, quand même. Est-ce que pour vous, c'est un processus politique? Mais bien sûr, bien sûr. C'est une tendance vers une sécularisation progressive de la loi régissant les rapports au sein de la famille. Parce que, remarquez ce qui est différent par rapport à l'époque où on était aux manettes. Le roi avait constitué une commission formée essentiellement de ulama. Et cette commission devait... Je crois que c'était 50% de l'effectif de l'ensemble des membres, c'était les membres du ulama et du ministère des Hadiths. Les ulama conservateurs. Et les travaux devaient être bouclés au bout d'une année. Figurez-vous que cette commission a vu son président changer. Et ces travaux s'étalaient sur plus de 2 ans et 8 mois, avec toujours un blocage
du fait, effectivement, de l'entêtement du camp conservateur, malgré la présence de trois femmes éclairées au sein de cette commission. Et le blocage n'a été levé que grâce à l'intervention et à l'arbitrage royal du roi. Donc, mais là, est-ce que c'est donc on est sur un processus politique différent en fait, absolument, par rapport à la composition et le profil de l'instance. Mais non, quelle est la différence? Là, c'est le gouvernement qui est en charge du processus. Il y a le ministre de la Justice, il y a le parquet, le président du public, du parquet, il y a le conseil de judiciaire, oui. Conseil judiciaire. Et vous avez le ministère de la femme, vous avez le conseil le CNDH, mm-hmm. Et vous avez le conseil des ulama. Et donc on voit bien que le conseil des ulama qui est minoritaire par rapport à 2003. Absolument. 2004. Donc ça dit le fait que Moi c'est un signal très révélateur de la suite à donner. Absolument. Qui va être plus en faveur d'une plus grande émancipation des femmes. Plus grande émancipation des femmes. C'est-à-dire de nouveaux progrès en matière de marche vers l'égalité. Mmh. Sur le plan juridique, parce qu'on parle de loi. Mmh. Donc sur le plan juridique. Il reste beaucoup à faire dans les autres domaines. Enfin, je ne sais pas si on a le temps d'en parler. On va essayer d'en parler, parce qu'il y a une convergence aussi sur l'autre sujet, parce que quand on voit effectivement l'autodacte. Parce qu'on peut pas, les femmes rurales ne peuvent pas s'approprier toute réforme, aussi progressiste soit-elle, si elles sont analphabètes. Nous avons 60% de femmes analphabètes en milieu rural. Et donc là, on fait quoi? Donc ça veut dire que même s'il y a une nouvelle révision... C'est les politiques publiques. Mais ça va prendre du temps. On est sur une temporalité. Non, c'est une question de volonté politique. On aurait dû le faire à la fin des années 90, dans notre plan d'intégration de la femme au développement. On s'était fixé comme objectif d'alphabétiser 5 millions de femmes sur 5 ans. Si on l'avait fait, on serait dans une meilleure posture. Situation en tout cas beaucoup plus confortable pour que ces femmes dans le monde rural fassent valoir également leurs droits. Il faut des politiques publiques. Donc il faut une volonté politique. Donc il faut de nouvelles options économiques et sociales qui ne donnent pas la priorité à l'austérité. À la vision néolibérale de l'économie. Donc ça veut dire, Mohamed Saïd Sadi, que quoi qu'il sorte, en tout cas, ce qu'on apprendra certainement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines de cette nouvelle réforme, nouvelle révision de la Moudawana, ce ne sera qu'une loi importante pour le changement de statut de la... C'est important. Important. Parce que la loi peut aider à faire évoluer les mentalités et les normes et les préjugés. Parce que la situation d'aujourd'hui est complètement différente de ce qui existait quand on était au gouvernement. Il y a eu une évolution nette. Il y a aujourd'hui de nouvelles féministes qui apparaissent, des plus jeunes. Oui. Il y en a qui ont pris part au mouvement du 20 février. Il y a aussi, certains vous aussi, Mohamed Saïd Sadi, il y a aussi des nouveaux visages qui sont exprimés, de nouvelles jeunesses, de nouvelles générations aussi, très ultra-conservatrices. De nouveaux jeunes aussi, hommes, qui n'entendent pas et qui ne voient pas d'un bon œil une révision de la Moudawana. Le renouvellement s'est fait dans les deux sens. Je comprends, parce que ce sont le pouvoir de ces gens-là qui est menacé. Est-ce que vous comprenez, vous, Mohamed Saïd Sadi, pour moi, c'est une question de pouvoir. L'homme marocain aujourd'hui qui a peur, qui craint ce qui peut se passer demain, c'est-à-dire un rééquilibrage des droits, de se dire, voilà, je peux... La tutelle familiale, ça ne sera plus automatiquement le père, ça sera en fonction de ce qu'aura décidé le tribunal si en situation de divorce, donc ça ne sera pas un fait absolu, ne serait-ce que pour la tutelle, sur la question de l'héritage aussi, sur des vrais sujets de société, de se dire qu'en fait, le rôle et le statut de l'homme dans notre société va évoluer. Donc, est-ce que ça, vous comprenez aussi que ça puisse développer un sentiment de peur chez l'homme? Non, mais il y a aussi des hommes progressistes. Donc, il n'y a pas que cette frange de la société sa position risque d'être menacée. Mm-hmm. Parce que c'est cette vision de la femme, de la domination masculine, de l'infériorité de la femme, elle existe même aujourd'hui en Occident. Mm-hmm. Il y a un nouveau mouvement qui s'appelle le masculinisme, qui considère, dans un contexte de régression politique, de montée de l'extrême droite, que les femmes ont pris beaucoup trop de pouvoir. Surtout après donc l'apparition du mouvement MeToo, contre donc le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral. Absolument. Et donc, moi, je,
Je comprends parce que, mais en même temps, donc on peut pas dire que c'est une question de religion. C'est plus une question de pouvoir et de menace de la domination masculine. Mais oui, du fait effectivement de l'engagement vers l'adoption des droits universels, de l'égalité. Est-ce que ça veut dire deux genres? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'a pas suffisamment de personnes qui soient ouvertes sur le monde extérieur? Parce que quand on dit Mudawana, côte de la famille, c'est un projet de société, mais c'est aussi une projection de la vision qu'on peut avoir du monde. Parce que quand on a une vision de l'homme et de la femme, ce n'est pas une vision qui s'arrête aux frontières du Maroc. Et que là, est-ce que le fait de ne pas prendre suffisamment de hauteur par rapport à cette vision universaliste et universalisante, voilà, c'est pour ça qu'on est enfermé dans des débats de héritage homme-femme, non, je ne suis pas d'accord, il y a des traditions, non, le sacré, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'on a beaucoup de mal, en tout cas, je le vois depuis des mois, à prendre un maximum de hauteur pour se dire que c'est avant tout une vision dynamique sur le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, est-ce que nous, au Maroc, ce qui va être projeté en termes d'image lorsqu'on aura cette révision de la Mudawana, c'est le positionnement et le curseur du Maroc sur sa vision et sa conception de l'homme et de la femme. Non, ce n'est pas ça le vrai sujet. Il y a la Constitution de 2011. Oui. J'ai parlé de l'article 6 qui assure l'effectivité de l'égalité des citoyennes et des citoyens. Les citoyens passent avant dans la formulation exacte du texte de la Constitution. Et donc, ça c'est un engagement. Maintenant, est-ce que nous avons une société qui est quelque part schizophrène? Est-ce que c'est le poids de la crise économique et sociale et le poids des préjugés, on en a parlé tout à l'heure. C'est autant de contraintes et d'obstacles sur lesquels il faut travailler. Je ne dis pas qu'il faut jeter la balle aux hommes qui sont réfractaires au changement. Il faut voir comment, à travers l'éducation, à travers donc, les médias, montrer que ce n'est pas une atteinte au pouvoir au sens étroit du terme. Au contraire, c'est une promotion de la société. Parce que les deux piliers de fondamentaux de la société doivent aller de pair. Comment vous expliquez qu'en 20 ans, rien n'a bougé? Ou très peu de choses ont bougé dans ce sens? Parce qu'on a l'impression que la photographie qu'on pouvait avoir des Marocaines et des Marocains de notre société il y a 20 ans, valeur aujourd'hui, même si on sait effectivement que la société, il y a des dynamiques sociales qui sont réelles, mais sur ces sujets-là, on a l'impression, et j'ai l'impression que le curseur social et sociétal a très peu bougé. Vous avez fait référence à trop de stéréotypes, encore au niveau de l'approche genre. D'ailleurs, l'AACA s'est exprimé il y a quelques jours là-dessus, en disant qu'il y avait trop de stéréotypes encore aujourd'hui dominants dans notre société. Il y a une chaîne de services publics, une chaîne publique 2M, qui a créé un comité de parité et qui, depuis des années, depuis de mémoire, d'ailleurs 7-8 ans, communique aussi cette vision et cette philosophie d'approche genre et d'égalité. Et malgré tout, quand on voit un peu sur le terrain le ressenti, qui peut être visible, en tout cas audible, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que ça n'a pas bougé. Là, il faut... L'impression. Il faut incriminer les politiques publiques. Les politiques publiques. Je prends un exemple. Bien sûr. En 2012, avec l'arrivée du gouvernement du PJD, on avait adopté un plan appelé plan Ikram, avec un financement consistant de pratiquement plus de 45 millions d'euros pour financer ce plan, appelé aussi agenda vers l'égalité. 48% seulement des fonds mis à la disposition ont été décaissés. Et le plan n'a pas été décliné de manière honnête et conforme aux engagements vis-à-vis de l'Union européenne. Malgré tout ce qu'on peut dire comme l'approche de l'Union européenne. Et donc, moi, j'incrimine les politiques publiques. Est-ce que vous avez connu les incriminer encore aujourd'hui? Parce que là, vous parlez de 2012. Est-ce que valeur aujourd'hui, ou en tout cas ces dernières années, il y a aussi l'absence d'une vision politique en matière d'approche genre au niveau des politiques publiques? C'est très simple. Oui. Chaque année, il y a un rapport qui est publié à Genève, le Gender Global Gap. On est classé 135e, 139e sur 145 pays. Valeur d'aujourd'hui. Et donc, ce Gender Gap
c'est un indicateur. Il est composé de trois sous-indicateurs. La participation économique. De la femme. Absolument. Mm-hmm. Elle est à 19-20%. Elle a régressé par rapport à 2011. On était à 28%. Complètement. La participation politique, l'éducation, la santé. Sur ces quatre critères, on a fait peut-être quelques progrès au niveau de la participation politique. Il y a eu effectivement. Mais pour les autres critères, on est encore très loin des avancées engrangées par les autres pays. Et donc, je vous dis qu'il y a un problème. Est-ce que la question de l'égalité des sexes est prioritaire au Maroc? On peut. Est-ce qu'elle est au top si vous deviez des répondre, priorités? Si vous deviez répondre, non. Vous répondrez non. Non. Mais quand on dit non, mais si on dit mais non, mais le pourquoi? Pourquoi c'est pas prioritaire? Est-ce que c'est parce que c'est une forme de tradition? Non, parce que avancée par certains, en disant voilà, mais nous sommes les défenseurs de la tradition marocaine. Et voilà, la place de l'homme et la place de la femme sont immuables dans certains esprits, et pas que dans les esprits des ultra-conservateurs. Non, même au sein des partis progressistes, des partis nationaux, démocratiques. C'est transversal. Il n'y a pas cette prise de conscience de l'importance de cette question. Est-ce que ça veut dire qu'on a un problème d'identité? Et que l'identité, notre identité, fondamentalement, on l'a abordé d'ailleurs lundi avec Fouad Laroui, ben c'est pas réglé. Quand on voit certaines formations politiques qui disent, ben nous, on se revendique de notre identité est islamique. Certains vont pas forcément se retrouver dans cette définition. Certains vont se dire, non, ben notre identité, on est musulman. Notre identité, elle est composite. Notre identité, je suis un citoyen du monde. Et que ça, du fait que ce soit pas réglé, ben ça laisse en fait un peu le brouillard dans les esprits. Non, le Maroc a toujours été un pays ouvert sur son milieu régional, sur la Méditerranée, sur l'Europe, sur le monde. Mm-hmm. Et notre identité a évolué. Notre identité est plurielle. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs racines. C'est vrai qu'il y a la culture arabo-musulmane, mm-hmm. mais il y a aussi d'autres affluents, d'autres leviers qui ont apporté une contribution fondamentale Sauf que quand on parle de Moudawana, sauf que quand on parle de droit, égalité homme-femme ou équité, sauf qu'on parle mariage des mineurs, de polygamie, de tutelle, de rééquilibrage de la tutelle parentale, on a l'impression que les gens, une fois quand on leur parle de ça, ça se braque. Mais malgré ça, on a enregistré des acquis, ouais. Avec le nouveau code de la famille 2004. La femme qui a le droit de divorcer, l'égalité en matière d'âge au mariage, des enfants, du garçon et des filles. C'est-à-dire l'âge minimal qui a été ramené fixé à 18 ans. Les restrictions apportées à la polygamie... Et j'en passe. La levée de la tutelle matrimoniale, la possibilité pour la fille de se marier. Sans avoir l'obligation, sans tuteur, obligatoire. Donc, c'est autant d'acquis. Maintenant, bien sûr, en matière d'application, il y a eu effectivement des insuffisances qui sont apparues, des lacunes. Et là, notamment en matière de mariage des mineurs, en matière de polygamie, en matière de tutelle, parce qu'effectivement, on a changé pas mal d'aspects. Discriminatoire dans le code par rapport au code du statut personnel, mais on n'a pas touché à la philosophie. Par exemple, la famille est mise sous la co-responsabilité des deux époux, mais quand il s'agit de tutelle des enfants, la tutelle est l'exclusivité du père. Mmh. Avec tout ce que cela implique comme problème lorsqu'il y a des divorces. Et que le divorce ne se passe pas forcément très bien. Voilà, et donc cette logique contradictoire fait qu'on a changé le code de la famille, mais on ne l'a pas changé suffisamment pour remettre en cause la notion de qiwama, de tutelle. Tutelle de l'homme sur la femme, donc de l'autorité. De l'homme sur la femme et de tutelle sur les enfants, parce qu'il y a un enjeu au niveau des enfants. Mais il y a la tutelle, effectivement, exclusive du père. Et donc, il y a toujours cette idée du breadwinner, l'homme qui apporte, qui satisfait les besoins du foyer. Du foyer, en contrepartie de l'autorité qu'il exerce sur l'épouse. On sait, d'ailleurs, sur l'HCP, c'était il y a déjà quelques années, je ne sais pas si c'est un chiffre toujours... qui a été actualisé, c'est grosso modo un quart des foyers dans notre pays sont directement dirigés, assumés par une femme.
pas un quart, non, un 20%, moins peut-être autour de 20-22%. Autour de 20%, mais donc, ça veut dire qu'il y a 80%, c'est par les hommes. Non, mais il y a de plus en plus de femmes qui contribuent maintenant à financer les besoins, à la prise en charge des besoins. Mais la majorité des foyers, c'est les hommes, j'avais dit la chef de foyer qui subvient le besoin de la famille et du ménage. On n'a pas de statistiques. Ben oui. On parle des femmes chefs de foyer. Là, chef de foyer. Entre 16 et 20%. D'accord. Mais en plus de ça, dans les ménages où il y a donc le mari, l'époux et l'épouse, l'épouse contribue de plus en plus. Sauf qu'elle est sortie travailler. On n'a pas d'informations et de data précises là-dessus. Oui, mais n'empêche que c'est une réalité de plus en plus apparente au sein de la société marocaine. Ce qui interpelle aussi, ce qui choque d'ailleurs. Moi, j'en connais autour de moi. Mais je connais aussi des personnes qui sont exprimées en disant, mais voilà, il y a aussi le fait que, d'accord pour le rééquilibrage des droits hommes-femmes, en cas de divorce, mais il faudrait aussi que c'est à partir du moment où la femme décide de divorcer, c'est qu'elle assume le divorce. Mais la femme qui est au foyer, elle travaille tout le temps. Complètement. Est-ce que ce travail ne doit pas être reconnu? Est-ce que ce n'est pas une contribution? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire sur les 20 dernières années? Est-ce que ça, c'est pas, quand vous dites effectivement, si on avait fait tout un travail pour alphabétiser et lettrer un maximum de femmes, on serait dans une situation beaucoup plus confortable, ce que vous disiez précédemment. Est-ce que sur les 20 dernières années, c'est-à-dire de 2004 à 2024, si on avait fait en sorte aussi de pouvoir déterminer avec plus ou moins de précision la contribution effective des femmes dans le foyer, est-ce que ça aurait été pas beaucoup plus simple aujourd'hui pour réajuster, non, les études existent. On m'a dit que ce les travaux avaient le budget avaient femme, oui. Le budget femme qui est établi par le HCP. Et il montre effectivement comment les femmes contribuent en termes d'heures de travail, beaucoup plus que l'homme, à la prise en charge des besoins du foyer, non seulement sur le plan des besoins directs, mais aussi en matière d'agriculture, notamment en milieu rural. Je voudrais juste revenir à la question du plan d'intégration de la femme au développement. Oui. Pour faire une petite autocritique, on avait établi le plan, mais on a oublié de le faire accompagner par un budget et une dimension financière. C'est pour cela qu'on n'a pas pu alphabétiser les 5 millions de femmes qu'on s'était donné comme objectif. Faute de ne pas avoir pensé à y adosser des moyens financiers, c'est ça? Parce que, je ne sais pas, mais les priorités étaient autres à cette époque. Il fallait donc consolider notre souveraineté par rapport au FMI. Donc il fallait tenir compte des équilibres budgétaires et faire attention, gérer la dette, etc. Le cadre macroéconomique était beaucoup plus prioritaire. Non, malgré l'effort qui a été fait en matière sociale, en matière d'augmentation de salaire des fonctionnaires, en matière de généralisation de l'éducation, notamment auprès des filles en milieu rural, mais c'était surtout quantitatif. La qualité n'a pas suivi. Mais on le voit d'ailleurs, parce que dans le dernier classement PISA, on voit bien qu'effectivement, la qualité, malheureusement, n'a pas suivi. Donc on attend les fruits, d'ailleurs, de la réforme pilotée par Chakib Ben Moussa pour un redressement qualitatif de l'école. On va aller sur des sujets aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le sujet le plus clivant, a priori, oui. Parce que donc, sur la thématique de l'émission, à quand une équité en matière de droit homme-femme, est-ce que c'est possible? Vous répondez oui. Mais est-ce que c'est possible sur un sujet, prioritairement? Pardon? Est-ce que c'est possible, sur un sujet prioritairement, l'équité en matière de droit sur l'héritage? L'héritage, c'était un sujet qui avait été mis, qui n'avait pas du tout été abordé en 2004, justement parce que c'était trop clivant. Oui, beaucoup trop clivant, avec des manifestations à Casablanca, Rabat. Bref, tout le monde se souvient, tout le monde a encore à l'esprit. Non, on avait convenu au niveau des groupes de travail de ne pas toucher à cette question. On avait estimé que c'était prématuré. Et on avait donné la priorité. Vous avez estimé que la société n'était pas prête. C'est ça? Absolument. Que vous dites. Aujourd'hui, je crois qu'on peut faire un pas dans ce sens. Parce que la société, vous considérez que la société est plus prête aujourd'hui. Les institutions constitutionnelles, comme le Conseil économique et social et environnemental, comme le CNDH, poussent dans le sens
d'une réforme plus profonde en matière de mariage des mineurs. Le CES, le Conseil économique et social, appelle oui, à l'interdiction. Oui. C'est deux instances, c'est deux institutions qui sont... Le CNDH avait sorti, avait publié un rapport en 2015 où il appelle effectivement à une refonte des règles successorales, en commençant notamment par Tassib, ce qu'on appelle l'héritage par agnation, qui fait beaucoup de malheur au sein des familles. Mais la décision politique, ça ne sera pas le CESE ou ça ne sera pas le CNDH, ça sera le politique qui prendra la responsabilité de la décision qui sera prise. Ces institutions, elles ont le mérite, bien sûr, d'exister. Elles ont le mérite de produire. Elles ont le mérite de prendre des positions. Mais on est bien d'accord, la décision finale... Pourquoi elles sont créées? C'est pour si ça. Elles ne sont pas là pour inciter au changement, pour inciter au débat, pour faire évoluer la société de manière peut-être progressive. Mais c'est ça leur rôle. C'est pour ça qu'on les a mis dans la Constitution. Et elles sont dans leur rôle. Vous avez vu comment des politiques s'en prennent aussi au CNDH, à Amina Bouayesh. Il y a eu des critiques, il y a eu des choses... Le CNDH est membre de la commission de révision de... Complètement, Amina Bouayesh. Oui. Voilà. Et là, bon, c'est pas trop ce qui a été proposé, en tout cas, par le CNDH, si ce n'est que par rapport sur le sujet brûlant, clivant de l'équité en matière d'héritage homme-femme. Non, mais aussi l'interdiction de la polygamie, l'interdiction du mariage des mineurs, la tutelle parentale partagée, autant de propositions très progressistes qui méritent d'être prises en considération. Est-ce que aller sur le terrain testamentaire, sur le droit successoral et d'ouvrir ce champ du testament, est-ce que pour vous, ça va être la voie? Pour moi, ce n'est pas nouveau. Parce qu'il y a un penseur moderniste musulman qui s'appelle Mohamed Chahrour, un Syrien, qui avait préconisé d'aller dans ce sens-là et qui avait montré que le testament était cité beaucoup plus, plusieurs fois, par rapport aux règles arithmétiques de filles qui héritent moitié moins que le garçon, etc. Mohamed Saïd Saïdi, est-ce que pour vous, le testament, est-ce qu'il est d'origine coranique? Oui. Non, je vous pose la question. Il y a l'Ouassiya. Donc, aller sur le terrain du testament, ouvrir le champ et la fenêtre du testament pour aller vers un rééquilibrage des droits hommes-femmes en matière d'héritage, c'est quelque chose qui peut être fait. Il y a aussi Asma al-Mrabat qui a beaucoup travaillé sur la question, qui a montré qu'il n'y avait pas antinomie entre le fait de militer pour l'égalité en matière d'héritage et le texte sacré. Mais sauf qu'en matière de force... Donc c'est l'effort d'interprétation, le fait de tenir compte de l'évolution des sociétés, le fait de prendre en compte la contribution des femmes de plus en plus. Donc pour la solution, le travail non rémunéré, c'est autant de... La rénovation et le rééquilibrage des droits en matière d'héritage homme-femme, pour vous, ça pourrait aller sur le levier testamentaire. Le tassib qui... Sur le testament, justement, Mohamed Saïd Saïdi, parce que certains considèrent qu'effectivement, s'il y a, parce qu'apparemment, on irait vers un élargissement, d'informations précises et confirmées là-dessus, un élargissement du champ du testament, est-ce que toutes les femmes de notre pays seront sur le même pied d'égalité sur la question si demain, effectivement, elles ont le droit sera acquis de faire valoir le testament pour organiser ou réorganiser l'héritage. Certains considèrent que, vous y avez fait référence tout à l'heure, on a des femmes, malheureusement, qui sont entre l'illettrisme, qui sont au niveau de l'analphabétisme, c'est la population des femmes avec les jeunes qui sont le plus dans la précarité. Et la précarité sociale, parfois très profonde. Est-ce qu'effectivement, faire voter en tout cas, et partir sur l'élargissement du champ testamentaire, ça peut être très bien pour nos femmes urbaines, lettrées, mais ça peut être aussi pas forcément quelque chose de compris qui pour certaines catégories de femmes. Et donc, quelque part, ça pourrait créer une autre forme d'inégalité. Oui, mais là, c'est toute la question du développement humain, de la nécessité de lutter contre la précarité, de faire en sorte que le niveau de vie de toutes les couches de la population s'améliore. Mais remarquez que il y a des associations qui ont beaucoup travaillé sur les soulaliyats, oui, les femmes soulaliyats, qui n'avaient pas droit à la terre qui leur revenait.
Et souvent, le prétexte, c'était le fait qu'il y avait l'inégalité qui était basée donc sur le Coran, les textes sacrés. Et grâce aux luttes, notamment en partenariat avec beaucoup d'associations, ces femmes ont pu acquérir pas mal de droits en matière d'accès à la terre aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Mais cette piste pourrait être exploitée, selon vous, pour rééquilibrer l'égalité en matière d'héritage homme-femme, mais avec la nécessité de faire beaucoup de pédagogie, si effectivement est retenu l'élargissement, en tout cas est retenu, c'est-à-dire qu'on irait vers l'élargissement du testament en matière de droit successoral. Là aussi, il y a une dimension matérielle, parce qu'entre les femmes qui seront dans la précarité, parce que pour faire valoir par testament, en tout cas testamentaire, il y a aussi une dimension matérielle. Bien sûr. Donc il faut aller chez le notaire. Il faut aller chez le notaire, il faut faire valoir ses droits. Est-ce qu'il faut, pour celles et ceux qui sont dans la précarité, est-ce qu'il faut aussi envisager d'ores et déjà un accompagnement, une aide et un accompagnement, parce que très souvent, c'est pas notre force, le service après-vente. Donc de me dire, voilà, si effectivement toutes les décisions qui seront prises un peu dans ce sens, il faut qu'elles soient comprises, que le testament effectivement a une genèse coranique, et qu'en même temps, eh bien, c'est un sujet aussi qui nécessitera auprès de femmes en difficulté ou en précarité, un véritable accompagnement. Enfin, l'accompagnement doit se faire pour l'ensemble des changements qui vont être introduits dans le nouveau code de la famille. Sinon, on n'ira pas très loin. Et on aura peut-être de nouvelles lacunes qui vont apparaître. Je ne sais pas, la question de l'appareil judiciaire. Comment fonctionnent les tribunaux ? C'est-à-dire qu'ils ont assez de moyens. Le personnel judiciaire. Les juges, les avocats, les greffiers. Pas seulement au niveau des mentalités, au niveau des moyens. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens ? Il y a le digital. Matériel, financier. Non. Ils sont dépassés par l'ampleur et le nombre de dossiers à traiter chaque jour. Est-ce qu'on a assez d'assistantes sociales qui sont greffées à ces tribunaux pour faire le travail d'accompagnement au niveau des femmes précaires, au niveau des problèmes que pose la question du divorce, de la pension alimentaire et j'en passe. Donc ça veut dire qu'il faut nécessairement d'ores et déjà penser à un accompagnement. Mais dites-vous, en tout cas, si effectivement partir sur l'élargissement par rapport au droit successoral du champ testamentaire, c'est jouable politiquement aujourd'hui. Et le Tarseb aussi. Et le Tarseb aussi, c'est jouable aujourd'hui. Et ça peut passer. Il me semble. Moi, j'ai confiance. Je suis prudemment optimiste. Pourquoi vous dites prudemment ? Parce que généralement... Parce que je ne sais pas, au vu des pressions que le camp conservateur est en train de faire, parce qu'ils sentent que les choses vont lui échapper. Et... Donc j'espère que le pouvoir central sera suffisamment lucide pour s'élever au-dessus du débat. Ça tombe bien, Mohamed Saïd, c'est à dire, parce que est-ce que l'opposition politique au sens noble du terme, mais l'opposition sociale, est-ce qu'elle est plus forte aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans? Parce qu'il y a 20 ans, ce n'était pas simple non plus. Non, c'était compliqué. Du tout. Donc là, vous dites, moi, j'ai peur aussi de la réaction de ces forces politiques ultra-conservatrices. Elles sentent que peut-être la réforme va aller un peu plus loin que par rapport à ce qui s'était passé dans les années 2000. Dans le temps, quand on était au gouvernement, l'islam politique était en phase ascendante. Et le PJD était passé de 9 députés à 42 en 2002. Et il y avait une ambiance de liberté et d'ouverture. Et l'islam politique en a beaucoup profité pour faire montre de sa force, pour essayer de peser sur le rapport et là, de et force. Et là, pour vous, il pèse moins l'islam politique aujourd'hui ? Pardon ? Il pèse moins. Il pèse en moins. Tout cas, en tout cas, au niveau du Parlement, il pèse moins. Au niveau du Parlement, niveau de la rue, si on devait parler d'un islam social ou sociétal, est-ce que celui-là, l'islam, au niveau de la rue, tel qu'il est perçu, parce que... Non, attention. Oui. Moi, je préfère l'islam populaire. Oui, ou l'islam populaire. L'islam populaire ? L'islam tel qu'il est vécu par le commun des mortels. Ouais, mais il peut aller à la mosquée, mais en même temps avoir sa petite copine, et aller au cinéma, et aller à la piscine. Est-ce que lui, Mohamed Saïd Sadi, voit de mon œil une révision de la Moudawana et un changement de... Enfin, un rééquilibrage des...
pas des pouvoirs, comme vous avez dit, mais en tout cas des droits. Est-ce que ce profil-là, ce socio-profil de Marocain, est-ce que lui, il est prêt à une révision de la Moudawana allant dans le sens du progrès? Non, mais il faut faire preuve de pédagogie, il faut changer. Non, mais valeur aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas attendre que les mentalités changent pour changer la loi. Non. Et la loi, parfois, peut faire évoluer les mentalités. C'est ce qu'on avait fait en 2003-2004. Il y avait une forte opposition. Et malgré ça, tout le monde a voté pour, à l'unanimité, au Parlement. Parce qu'il y a eu les événements du 16 mai 2003. Oui. Bon, il y a eu un fait aussi qui a été un accélérateur. On est dans un contexte, il me semble, pacifié et plus favorable à des avancées qui peuvent être consistantes. Qui peuvent être consistantes. Je ne garantis rien. Est-ce que vous faites partie de ceux, Mohamed Saïd Saadi, qui disent effectivement, on peut à la fois rééquilibrer l'équité en matière d'héritage homme-femme en ouvrant le champ du testament. Il n'y a pas seulement que l'héritage, il y a aussi les autres aspects. Hein, les autres aspects, voilà. Mais, faut pas les oublier, le mariage des mineurs, la tutelle. Est-ce que tout ça... La question de la garde des enfants, quand la femme se remarie... C'est les vrais sujets. Ce sont des vrais sujets sociétaux qui posent des problèmes tous les jours. Aux enfants aussi, parce qu'on ne doit pas oublier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut l'intégrer dans la nouvelle mouture du code de la famille. Donc je suppose que de toute façon, vous êtes pour l'abolition et l'interdiction sans dérogation du mariage des mineurs. Absolument. Vous êtes pour l'interdiction, c'est pour la polygamie, c'est-à-dire. Absolument. Mais depuis le temps. On avait proposé effectivement l'interdiction. Est-ce que Valère aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir une révision de la Moudawana? Parce que c'est Mohamed Tosi, professeur, c'est Mohamed Tosi qui est politologue, lui dit qu'il ne faut pas s'attendre à trop de choses en tout cas pour aller vers un réajustement en fait du code de la famille, pas forcément un réaménagement complet, c'est-à-dire que ce soit sur l'héritage en matière de droit, l'abolition de la polygamie, l'abolition du mariage des mineurs, le rééquilibrage de la tutelle. Tout ça ne pourra pas, on ne pourra pas tout avoir d'un coup. Pourquoi ? Il y aura de la progressivité. Pourquoi ? Selon si Mohamed Tosi, ajustement technique, révision technique. Je respecte ton point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Mais vous avez dit en même temps qu'il faut y aller doucement parce qu'il y a les mentalités, parce qu'il y a la loi qui agit sur les mentalités qui agissent sur la loi. Mais voilà, il y a de la progressivité aussi, de la temporalité. Au début des années 2000, les mentalités étaient beaucoup plus rétrogrades qu'aujourd'hui. Et pourtant, on a fait un saut énorme. Comparativement au code du statut personnel de 1957-58, malgré les mentalités. Et les mentalités se sont adaptées. Bien sûr, les préjugés restent, elles sont ancrées dans la société au niveau mondial, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller vers l'avant, vers l'égalité. Il faut que la marche vers l'égalité reste la boussole pour le progrès du Maroc, pour l'entrée dans la modernité. Sur le mariage des mineurs, je rappelle que depuis 2003-2004, dernière révision et refonte de la Moudawana, l'âge légal a été fixé à 18 ans, qu'on soit homme ou femme. Pour autant, on est sur un train de 16, 17, 18 000, voire 19 000 mariages de mineurs sur les 230 000 entre 2009 et 2019. 230 000 mariages de mineurs. Mariages de mineurs. Vous vous rendez compte? Mariages de mineurs. Alors que s'agit d'enfants. Qui sont censés être à l'école, qui sont censés jouer, qui sont censés avoir une santé fragile, donc elles ne peuvent pas supporter le poids du mariage physiquement, émotionnellement, intellectuellement, tout ce que vous voulez. Et ceux qui avancent, les forces ultra-conservatrices, je ne veux pas être leur porte-parole, mais en tout cas je reprends leurs propos, qui considèrent que sur le mariage des mineurs, ils suggèrent que les circonstances individuelles doivent permettre certains mariages précoces. Donc, tenir compte de circonstances individuelles de certaines personnes, y compris dans le monde rural, se dire, voilà, effectivement, une jeune fille qui a 16 ans dans le monde rural, ce n'est pas forcément une jeune fille qui a 16 ans dans le monde urbain, se dire, voilà, c'est les jeunes filles aussi. Tout le monde est en train de dire aujourd'hui, oui, ce n'est pas normal que ces jeunes filles, à juste titre d'ailleurs, soient mariées, avec consentement ou on ne sait pas trop, ou pas fatiha d'ailleurs, avec un certain nombre de témoins. Mais qu'elle travaille dur dans les champs, ça gêne personne. Mais qu'elle soit mariée alors qu'elles n'ont pas encore 18 ans, ça gêne. Donc comment, est-ce qu'on va pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Sa place doit être à l'école. Il faut accompagner les familles précaires pour qu'elles n'optent pas pour la solution de facilité, se débarrasser de la fille parce que c'est une charge en moins. Et c'est cette conception, donc c'est cet accompagnement qui doit se faire.
On interdit, mais en même temps, on accompagne les familles. Ce qui n'a pas été fait dans la Moudawana de 2004 aujourd'hui, bien d'accord. Non, non, on n'avait pas interdit, on avait laissé la porte ouverte au juge. Il y a eu beaucoup de laxisme. C'est pour cela qu'on est arrivé à des chiffres monstrueux de 230 000 mariages de 17-18 000. Il y a eu pas. Donc on est à 19 000 aujourd'hui. Attends, vous dites-vous en 2022 interdiction de mariage des mineurs et interdiction des dérogations. Plus aucune dérogation. Absolument. Plus aucune. 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 Bon, c'est un principe. Il s'agit d'un enfant. Un enfant doit être à l'école. Et s'il n'est pas à l'école, il n'a pas la capacité émotionnelle et physique pour supporter un mariage. Est-ce qu'il peut supporter un travail difficile, un travail douloureux, un travail compliqué? Non, il doit pour aider sa famille. Un enfant aujourd'hui, bon, nous avons des enfants qui ont 15-16 ans qui travaillent, que ce soit dans les champs, dans le monde rural, ou y compris en ville, dans des métiers qui ne sont pas toujours faciles. Est-ce que là aussi, il faut avoir la même approche? Non, le travail est permis aujourd'hui à partir de 15 ans. Oui. Et le travail n'est pas dégradant comme le fait de... Il y a des travaux qui sont difficiles. Il y a des travaux quand on a 16 ans, qu'on travaille dans les métiers compliqués, métiers pénibles, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que certains considèrent aussi... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Le fait que la jeune fille travaille dans le champ et qui rentre chez elle, n'est pas dans la même situation que la fille qui se marie et qui a un gosse sur le dos alors qu'elle n'a pas les capacités émotionnelles, intellectuelles, sentimentales pour faire face à cette charge familiale. Et il y a l'avortement aussi, il y a l'IVG. Ça n'a pas été sujet à beaucoup de débats sur l'interruption volontaire de grossesse. Il y a encore un scandale, une nouvelle affaire. C'est le code pénal. Le code pénal, en même temps. Mais on voit qu'il y a beaucoup de convergence. C'est pour ça que je vous ai amené, pour conclure notre débat, sur la convergence aussi avec le code pénal. Article 490 qui criminalise et pénalise les relations sexuelles hors mariage entre personnes consentantes. On a aussi la question de l'IVG aujourd'hui, où on a 400-500 avortements clandestins. 800 d'après les derniers chiffres du docteur Shraibi. Du docteur Shraibi. Déjà 800 par déjà jour. Déjà 500, c'est énorme. 800. Il y a encore un scandale, vous avez vu à Kenitra. Dans des conditions inhumaines. Inhumaines. Et dangereuses pour la jeune femme. Pour les femmes. La convergence du code pénal sur la criminalisation aussi de l'article 490, l'article 480. La question de l'émancipation est une question globale. Parce que quand on parle du mariage mineur. C'est de liberté. Parce que quand on dit liberté, émancipation, égalité, démocratie, ce sont des termes qui vont ensemble. Modernité. Sauf que là, même une fois de plus, j'ai pas toute l'information, mais voilà, la modification et la révision du code pénal, on en a entendu parler il y a quelques semaines. Ça a été une présentation informelle qui a été faite en conseil de gouvernement. On attend toujours, parce qu'apparemment, du côté de la petite Fouabi, ministre de la Justice, c'est prêt. Ça a été soumis au SGG, secrétaire général du gouvernement, qui apparemment a validé aussi. Mais c'est sujet de article 490, 489. Sur l'adultère. 490 à 492. 491-92. Sont directement liés au code de la famille. Il y a un lien, une convergence entre. On ne peut pas d'un côté interdire le mariage des mineurs et d'un autre côté ne pas statuer sur les relations sexuelles hors mariage qui sont aujourd'hui, on est traduit en justice, on est écope de plusieurs années de prison si on est. On a des relations. De 5 à 10 mois de prison. C'est pas mal. Voilà, mais bon, est-ce que quelque part on peut statuer sur le mariage des mineurs et l'interdire et puis en même temps laisser cet article 490 ouvert? On ne sait pas comment le SDG va traiter les propositions du gouvernement parce que le SDG a une certaine latitude pour remodeler peut-être les textes qui sont après présentés au conseil du gouvernement, mais il y a des indications assez encourageantes de la part du ministre de la Justice. Quant à l'évolution, la marche vers la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage, parce qu'on estime qu'effectivement c'est une question de liberté fondamentale, de vie privée, tant que ça ne touche pas à l'ordre public, tant que ça ne touche pas à la sécurité, l'État n'a pas à s'immiscer dans ce type dans cet aspect de la vie privée des gens. Sur la polygamie, juste pour conclure. Polygamie, certains considèrent que c'est un épiphénomène chez nous, au Maroc, il y a à peu près... A priori, entre 1000 et 1500 mariages polygames qui sont célébrés chaque année dans notre pays. C'est un phénomène qui serait en décroissance depuis 20-25 ans. On a vu d'ailleurs le nouveau président sénégalais
qui affiche et qui assume pleinement le fait d'être bigame. Ça vous a choqué, vous, cette image de, bien sûr. Du président, venant de la part d'un progressiste. Oui, mais de gauche en plus. Oui, progressiste de gauche. Il a présenté son épouse. Alors, je ne sais pas celle qui était voilée, si elle était à gauche ou si elle était à droite, mais en tout cas, il y avait son épouse dévoilée. Les deux en même temps, mais ça vraiment, c'est une schizophrénie que je n'arrive pas à comprendre. Dans une des plus grandes démocraties du continent africain. Absolument, un pays donc qui est combiner... très prometteur sur le plan démocratique, et sur le plan économique et financier aussi. Est-ce qu'il ne nous a pas donné une leçon de tolérance? Est-ce qu'on n'a pas reçu une leçon de tolérance de la part de Dakar et du nouveau président sénégalais? D'avoir un nouveau président sénégalais qui soit bigame. Non, mais je vous dis que c'est une atteinte fondamentale et profonde à la dignité de la femme. Je vous dis par expérience, c'est une question qui doit être abolie pour de bon. Parce que c'est une épée de Damoclès qui est toujours donc suspendue sur la tête de la femme. J'ai pas eu un garçon, donc je vais aller me marier, sinon je divorce. Et c'est vraiment une situation intenable pour les femmes qui vivent la polygamie. Il y en a qui intériorisent la domination masculine, donc qui acceptent ce fait-là. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le combattre. En tout cas, vous êtes pour le fait de l'interdire et de passer un coup de ciseau là-dessus. En tout cas, Mohamed Saïd Sadi, vous êtes confiant en l'avenir proche et sur le nouveau livrable de la révision de la Boudawana? Je suis prudemment optimiste. Prudemment optimiste. Donc vous maintenez le prudemment? Oui, absolument. Et vous maintenez également votre côté optimiste? Absolument. Donc maintenant, on verra, c'est une affaire de temps. Donc je crois savoir que ça va passer par la case. Mais disons qu'il n'y aura pas seulement un changement technique. Il y aura des changements beaucoup plus profonds. Ouais. Et donc, que chacun devra prendre ses responsabilités, qu'on soit homme ou femme. Dans le sens de l'égalité entre les sexes. De l'égalité de droit. Voilà. Et c'est un rééquilibrage aussi. Et l'adéquation par rapport au droit universel. Adéquation par rapport au droit universel. Le Maroc s'est engagé à respecter. Donc, rééquilibrage des droits des femmes et des hommes et rééquilibrage également des devoirs des femmes et des hommes. C'est comme ça qu'on rééquilibre une citoyenneté avec une approche genre, c'est ça? Une citoyenneté complètement assumée. Assumée et non pas subie. Merci à vous, en tout cas, c'est un plaisir. Mohamed Saïd Sadi. Oui, c'est toujours un plaisir de discuter, d'échanger avec toi. Mais c'est gentil, c'est réciproque. Je remercie une fois de plus. Ça me permet de te tutoyer. Oui, c'est un honneur. C'est un honneur pour moi que Mohamed Saïd Sadi, un, accepte de venir au débat, deux, accepte d'être challengé sur le terrain des idées. Et je vois aussi que vous n'avez pas changé. Vous avez toujours cette pêche. Certains me disaient, ben voilà, ça a dit, ça fait longtemps qu'on ne le voit plus dans les radars médiatiques, on ne sait plus trop, ce qu'il fait, mais voilà. On a besoin de courage politique. Ouais. Le courage doit être la qualité première d'un politique qui s'occupe des questions de la cité, au sens, avec un C majuscule. On a besoin de cela. Je voudrais juste dire un mot par rapport aux menaces qui ont été proférés contre les féministes. Oui, les menaces de mort sur les réseaux sociaux. Oui. Absolument. Oui. Je voudrais exprimer mon indignation par rapport à ces actes qui n'ont rien à voir avec la tolérance et la démocratie. Je voudrais dire aussi toute ma solidarité avec les femmes féministes qui font un travail formidable et qui ont beaucoup fait pour la promotion de l'égalité et de la démocratie dans ce pays que nous aimons tellement. Donc c'est pour ça que j'avais bien raison de présenter Mohamed Saïd Sadi comme l'incarnation vivante de la lutte du droit des femmes. Voilà, vous venez de répondre à ça. Je rappelle que ces menaces aussi de mort, effectivement, je les condamne et nous les condamnons au sein du... Je me veux, quelque part, entre guillemets, le porte-parole aussi de ce groupe Le Matin et de cette rédaction également. Et je rappelle aussi que Mohamed Saïd Sadi, c'est de quoi il parle en la matière, parce que vous-même, il y a une vingtaine d'années, vous avez été aussi menacé de mort. Je crois que vous avez été dans l'obligation de vivre pendant un bon moment sous protection policière. Je ne me trompe pas? Avec la petite famille. Avec la petite famille. Et c'était il y a 20 ans. Donc on voit aussi que ces choses-là, malheureusement, peuvent se reproduire. Et donc, d'où effectivement la nécessité de le condamner avec force. Merci à vous, Mohamed Saïd Sadi, et je vous dis à très bientôt, et puis à bientôt. On refera le match, comme on dit. Avec grand plaisir sur les questions d'économie politique. Exactement, Dieu sait aussi qu'il y a de vrais sujets.